Ma fille est devenue ma priorité. Elodie J., une femme au foyer de 32 ans a réalisé son rêve en se rendant sur le plateau de The Voice. Devenue maman à 23 ans, la candidate a mis pendant longtemps sa passion pour le chant entre parenthèses afin de se consacrer à sa petite fille. Alors que cette dernière a bien grandi, Elodie J a décidé de renouer avec la musique en interprétant Shy Guy de Diana King afin de tenter de séduire les coachs du télé-crochet. Si Vianney a été le premier à se retourner suite à sa performance, ce sont les mots d'Amel Bent qui ont particulièrement touché la candidate. Je voulais te dire que je suis quand même très ému de ce que tu as dit parce que comme toi, moi aussi, j'ai eu deux enfants et au moment où j'ai eu mes deux enfants, j'ai aussi arrêté de chanter. Je sais à quel point, si est encore plus difficile de recommencer que de commencer. J'imagine à quel point ça a dû être un grand questionnement pour toi, a confié la chanteuse de 35 ans. Un peu moins d'un an après avoir épousé Patrick Antonelli, CST le 4 février 2016 où Amel Bent devenait maman pour la première fois. Un an et demi après l'arrivée de Sophia, CST Anna qui pointait le bout de son nez le 17 octobre 2017. Alors qu'elle n'a pas sorti d'album pendant 5 longues années, Amel Bent s'est rappelé, on a toujours l'impression qu'on va devoir sacrifier, quelque part, un des rôles, mais en même temps, être maman, si est-il le plus beau métier du monde est être artiste, si est-il aussi le plus beau métier du monde. Quoi qu'il arrive, même si tu ne viens pas chez moi, je voudrais te témoigner toute mon admiration parce que je sais à quel point si est-il dur. Si Elodie J avait déjà une petite idée de quel coach elle choisirait, la candidate a finalement décidé d'intégrer l'équipe d'Amel Bent, qui l'a énormément touchée en se dévoilant de la sorte. Si est-il dur, mais on peut le faire heureuse d'entendre son nom, la chanteuse s'est exclamée, dans mon équipe, on se protège, on fait attention et je suis très heureuse et très émue d'avoir une jeune femme avec un parcours un peu similaire. Je pense qu'on va se comprendre, on va avancer ensemble et merci de m'avoir choisi. Merci Elodie. Ému, Amel Bent a ensuite quitté le plateau afin d'aller dire bonjour à India, la petite fille de la candidate. Avant de quitter son nouveau talent, la star lui a confié une dernière fois, bravo d'avoir suivi ton cœur et de femme, et de maman, et d'artiste. Si est-il possible, on peut le faire. Si est-il dur, mais on peut le faire.